Revenons maintenant au téléthon annuel de Malibu pour la lecture animale avec votre présentatrice Barbie Roberts. Merci Christophe et merci à vous, chers téléspectateurs, de rester avec nous pour les 38 premières heures de ce téléthon. Nos fantastiques opérateurs bénévoles sont toujours là pour prendre vos appels. Vous venez de Willows, Wisconsin? Moi aussi, je viens de Willows, Wisconsin. Salut, toi. Es-tu aussi jolie que ta voix? Parce que moi, ouais. Oui, c'est ça, oui. Deux pizzas spéciales végétariennes avec double tofu et un supplément de graines. En fait, c'est Chelsea qui veut défendre cette cause. Mais elle m'a supplié de l'aider et je ferai n'importe quoi pour faire plaisir à mes petites sœurs. La plupart des scientifiques vous diront que les animaux sont incapables d'apprendre à lire. C'est n'importe quoi! Je voudrais aborder un sujet sérieux maintenant. Il y a tellement d'animaux qui... ne savent pas lire. Étonnant que les animaux ne sachent pas lire. Barbie leur chante des berceuses pour qu'ils s'endorment. Alors le cheval a dit, avec des prix comme ça, je ne suis pas surpris. Ryan, nous devons envahir ce téléthon. Et maintenant, voici notre célèbre rappeuse Midge. Oh, dites-moi que je rêve. Je parcours Malibu de haut en bas. Pour un shopping qui déchire avec mes copines. Oh, un, puis une crème glacée, un peu de macramé. Chaque jour à Malibu est un beau jour d'été. Et encore une jolie surprise. Summer va venir nous rejoindre et nous montrer ses talents de basketteuse. On va te remplacer un peu. On t'écoute, Ryan. Tout le monde est fou de moi. Tout le monde est fou de moi. Mais c'est une blague ou quoi? Moi. Et tu n'as qu'à passer la journée à me regarder. Moi. Oh non! Allô? 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 Nous allons mettre aux enchères un rendez-vous avec Barbie. Allô? Barbie, j'ai une offre démentielle. On ne devra peut-être plus jamais organiser ce téléthon. Et voilà, ceci clôture notre téléthon annuel. N'oubliez pas de toiletter vos amis à quatre pattes. Je veux dire, de les emmener à la bibliothèque. C-A-R-S-O-N. Notez. Maintenant, quel est votre numéro de carte de crédit? Oui. 3, 4, 9, 5. Des dauphins? Mais où as-tu trouvé des dauphins? Hey, hey, life in the dream house. Oh yeah, life in the dream house. Life in the dream house. Non, Chelsea, inutile d'insister. Oh, s'il te plaît, Barbie, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais nous avons déjà des animaux domestiques. Ah oui, et lesquels? Eh bien, il y a Blissa, Safi et Tony. Mais on les a depuis toujours, ces animaux. J'en veux un qui soit rien qu'à moi. D'accord. Tu pensais à quoi? Un poisson rouge, un hamster ou un de ces charmants petits animaux virtuels? Des dauphins? Flippy, Splashy et Jumpy. Mais où as-tu trouvé des dauphins? Et qui a installé l'aquarium? Il te plaît, Barbie? Oh, j'aurais peut-être dû faire 5 étages. Et un récif corallien. Et l'épave du Titanic. Je vais arranger ça. Non, Ken, l'aquarium est parfait. Mais Chelsea, on ne peut pas garder 3 dauphins. Regarde-les dans les yeux et ose me dire que tu peux leur résister. Mais c'est incroyable. Ils ont disparu. J'ai peut-être, sans le vouloir, raccordé l'aquarium à la plomberie. Celle de la maison? Non, celle de tout le quartier. Barbie, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir les retrouver. Il nous faut une plus grosse ventouse. Il a pris mon gel douche. Oh non! On dirait qu'il...
pas un dauphin, ça? On aurait dit... Raquel? Il y avait quelque chose là-dedans. Il a jailli de la cuvette et il a dit quelque chose. Attrapez-le! Tirez la chasse! Le problème avec les dauphins, ce sont leurs immenses yeux vides, noirs et vides, comme les yeux de poupée. Et soudain, ces yeux noirs se mettent à rouler. Ah, et ensuite, on entend ce son monstrueux et suraigu. Ce bain à bulles est pour les filles, pas pour les mammifères marins. Bon, s'il revient, appelle-nous, d'accord? Non, mais il a avalé tous mes sushis au thon. C'était pour moi et les jolies filles. Délicieux. Tu crois qu'il y a de la sauce soja? J'ai une idée. Il faut trouver un moyen de les attirer dans l'aquarium. Vous êtes revenus? Écoute, Chelsea, hein? Je crois que tu ferais mieux de renoncer aux dauphins. Au revoir! Tu as fait preuve de maturité en les laissant partir. Merci, Skipper. Oui, et Ken pourra sûrement raccorder l'aquarium à l'océan. Ils pourront revenir quand ils voudront. N'est-ce pas, Ken? Quoi? Ouais, ouais, j'y arriverai. Malibu est à court de paillettes. Voyons ce qu'en pense l'honorable présidente de notre célèbre club des paillettes. Maintenant, une tonne de paillettes. Quoi? Un soupçon de paillettes et je serai prête pour le tapis rouge. Mon skateboard va être magnifique. Non, non, non. Ça doit être une erreur. On ne peut pas être à court de paillettes. Aucune erreur, hélas. Malibu est à court de paillettes. Voyons ce qu'en pense l'honorable présidente de notre célèbre club des paillettes. Je supplie toutes mes amies de faire face à cette crise calmement. Je suis sûre que très bientôt nous brillerons à nouveau de 1000 feux. Tu es impressionnante, Barbie. On dirait vraiment que rien ne peut t'abattre. Il faut rester optimiste. Oh, je raconte n'importe quoi. Je suis au bout du rouleau. Il me faut des paillettes. Je suis venue au plus vite. Et j'ai le kit réconfort, Barbie. Mouchoir, cupcake consolateur et une épaule mâle pour pleurer. Ça me rappelle la fois où je suis tombée à court de gel pour les cheveux. Quel jour tragique. Pas de soucis, je m'en occupe. J'ai réussi! Paillette artificielle de laboratoire! Oh, Ken! Nos malheurs sont terminés! Je les appelle les Kenaillettes. Oh, laisse-moi essayer! Oh, alors j'étincelle, oui ou non? Ma main est collée! Oh, j'ai peut-être mis un peu trop de colle. Collante, tes Kenaillettes. Pas de soucis, vous les aurez, vos paillettes. Un mot, un geste, et Ken fait le reste. Regarde, ta fille. Ce sont les toutes dernières véritables paillettes. Allez, cherche, essaie d'en trouver d'autres. Ta fille! Elles avaient une saveur plutôt fruitée avec un arrière-goût de bœuf braisé. Qui a besoin de paillettes quand on a des diamants? C'est inutile, rien ne peut remplacer les paillettes. Vous croyez que je dois mettre des paillettes sur la robe de Dolly? Ou coller des petites étoiles? Chelsea, il te reste des paillettes? La pénurie de paillettes atteint des proportions dramatiques. Des émeutes éclatent un peu partout dans le pays. Dis-nous, Chelsea, où as-tu trouvé ces paillettes? Vous avez un drôle d'air, vous êtes malade? Donne-nous le précieux. Dans le prochain épisode de Barbie Life in the Dream House. C'est à moi, rien qu'à moi. Wouh, t'as vu ça? J'ai volé sur les vagues. Qui veut un smoothie au coco? Délicieux. Merci, Skipper. Ah,
Ça, c'est la vraie vie. Pas de téléphone, le calme, personne pour crier. Harry, Harry! C'est très grave, c'est une urgence. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Le club des hippocampes organise une chasse au trésor et il faut que je la gagne. Je suis la meilleure, je gagne sans arrêt. Les chasses au trésor, les courses en sac, s'il y a une médaille à gagner, vous n'avez aucune chance. Voici la liste. Séparons-nous. Barbie et Stacy feront équipe. Skipper, tu es avec moi. On se retrouve à 2h pile, tip-top. Alors, des questions, les filles? Oui, on est censé prendre un récif corallien en photo. Comment tu veux qu'on arrive à faire ça? Tu avais raison, Barbie. C'est génial. D'abord, une capsule de bouteille. Ça devrait pas être dur. Jackpot! Et une photo de récif corallien, une... Tu peux m'aider? Et guili 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 De toute façon, elle avait un affreux goût de plastique. Alors, cette capsule? Oups. On a pris la photo. Et on a trouvé ceci, ceci et cela. Elle ne manquait pas d'ambition, cette huître. Il nous manque plus qu'une noix de coco. Il va falloir grimper sur les palmiers. Oh non, tu es sûre que c'est ce qu'il faut? Attention! Oups. Moi, j'adore le lait de coco. C'est ma boisson favorite. Arrêtez cette noix de coco! Non. Je ne suis jamais autant amusée, Barbie.